Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Forza Motorsports. Donc nous allons découvrir la nouvelle mise à jour auquel Turn 10 a apporté plusieurs modifications. A fait plusieurs ajouts dans le jeu. Donc premier ajout, le plus intéressant pour moi, c'est le circuit de Brands Hatch. Voilà, c'est pour moi, c'est le plus intéressant. Donc, ils ont apporté des modifications aux pénalités. Mais c'est une franche rigolade encore. C'est une belle plaisanterie de leur part. Parce que c'est un peu du n'importe quoi. Je ne sais pas s'ils vont arriver à faire des ajustements là-dessus. Je voudrais revenir sur une vidéo où j'avais eu l'impression qu'ils avaient fait des modifications au niveau de l'IA en mode carrière. Bon, je pense que c'est pas du tout le cas. Et parce que, alors, autant quand vous pilotez des voitures qui ont un haut niveau, qui sont dans les plus grandes classes, donc les voitures les plus rapides, voilà, l'IA pour moi est pas trop mal. Par contre, c'est sur les voitures de première classe, là, c'est toujours problématique, c'est toujours un peu du n'importe quoi. Voilà, donc après, pas grosse nouveauté, je pense qu'ils ont corrigé quelques bugs. Alors, depuis la mise à jour, pour moi, le jeu fonctionne mieux, même s'il y a toujours pas mal de problèmes au niveau des cinématiques entre les cinématiques de présentation des circuits, par exemple. Voilà. Pour l'instant, j'ai plus ce problème de. J'ai toujours le problème, voilà, de déconnexion, mais. Pour l'instant, ça m'est arrivé un peu moins souvent. Alors, enfin, pour l'instant, le jeu, enfin, je vais voir, hein, je donnerai plus mon avis la semaine prochaine, mon retour sur ce jeu la semaine prochaine vis-à-vis de ce point-là, parce que c'est vraiment pénible. Hein. La semaine qui est passée, là, j'ai encore eu plein de déconnexions juste au moment de se mettre des grands prix, d'attaquer les grands prix. Donc voilà. Une autre grosse modif, c'est impressionnant, enfin je comprends pas comment on peut en arriver là. Alors ils ont modifié, alors déjà sur les PC, apparemment c'est que sur la version PC, donc ils ont modifié les fichiers audio pour qu'ils pèsent moins sur PC apparemment, donc et que ça permette au PC de mieux tourner. Alors je vois pas pourquoi. Et ils ont fait un peu d'optimisation, on va dire. Ils ont gagné, alors ça dépend, sur Xbox, je crois que c'est 18 ou 25 gigas, sur PC c'est 29 gigas, ils ont gagné une place phénoménale sur le jeu. Bon, après, ils prenaient quand même beaucoup de place, parce qu'ils prenaient autant de place que Starfield, donc voilà, pour un jeu de course, ça me paraissait bizarre quand même. Parce que, donc voilà. Voilà les principales nouveautés. Donc on va découvrir les nouveautés de la semaine au niveau de tout ce qui est course en mode carrière et en mode multijoueur. Alors la voiture en réduction de la semaine, c'est la Ford Capri Turbo de 1981. Donc moi je n'ai pas eu à l'acheter parce que je l'avais déjà acheté. C'est une voiture où il y avait eu une série en multijoueur. Au début du jeu, et je pense dans l'accès anticipé, juste avant que le jeu sorte officiellement, c'est pour ça que j'avais, pour participer, j'avais acheté cette voiture, parce que voilà, c'était la première semaine en fait. J'ai pu l'acheter, mais elle était à cheval entre la première semaine et la deuxième semaine du jeu. En achetant cette voiture, ça va vous permettre bien sûr
de participer à la première à la série en vedette Retro Racer sur le Retro Racer Tour. Donc ça va vous permettre de rouler dans le championnat pilote en règle. Donc voilà, donc bien sûr une série de championnats axés sur les voitures rétro. Au niveau du championnat des constructeurs, pareil, hein, c'est beaucoup axé rétro. Donc pour la partie multijoueur, donc l'épreuve spéciale cette semaine, bien sûr, c'est une série Formule années 60. Donc moi j'ai pris une, alors j'ai pas acheté de voiture, j'ai pris une Brabham que je n'ai pas fait en vidéo. Donc bien sûr avec la voiture en réduction cette semaine vous allez pouvoir participer au Spotlight Series. Donc voilà, bien sûr la Ford c'est une voiture que j'ai pas acheté. On retrouve cette semaine une catégorie série classe S, mais pas de classe moteur imposée. Alors pour cette série je roule avec une Corvette qui est en ma possession, donc pour la faire monter de niveau. Donc je n'ai pas racheté de voiture. Et la dernière classe, c'est une série classe B. Donc pareil, je n'ai pas acheté de voiture parce que j'avais une Nissan Skyline GTR que j'ai repris. Donc en fin de compte, cette semaine, je n'ai absolument acheté aucune voiture. Bon, au niveau des évaluations, bon, là, j'étais retombé en dessous de 4500. Là, je suis remonté, mais après, là, j'étais même, et en sécurité, j'étais descendu en classe B, enfin des courses catastrophiques, avec une nouvelle, la modification des pénalités en course, en multijoueur, c'est n'importe quoi. Donc je suis remonté en classe A, mais j'ai du mal à remonter en classe S. Nous voilà sur le circuit de Watkins Glen, avec la Brabham. Bon, avec un bon temps, mais bon, on peut mieux faire. Allez, c'est parti, hein, ça va être bon. Avec ces voitures, 22 pilotes avec ces voitures, c'est... Là cette fois-ci.
derrière, impeccable. J'en ai deux devant qui ont fait l'erreur de s'arrêter un tour plus tôt, donc il va être... Bon voilà. Et j'ai perdu que j'ai limité la casse quand même. Bon, j'ai pas pris de pénalité parce que bon voilà, c'est la stupidité des pénalités, parce qu'en fin de compte je suis rentré dans tout le monde au départ là dans le premier virage et j'ai pas eu de pénalité. Allez, nous voilà sur le circuit de Miami avec la Ford Capri. Une bonne qualification. Donc on va voir ce que ça va donner en course. Bon allez, j'ai essayé de me concentrer sur le départ, pas faire comme tout à l'heure. Bon, décidément, décidément, très mauvais départ. Thank you.
peut-être pas le coup de mettre des pneus durs. Donc je vais limiter la casse, mais bon. Bon, une bonne course pour voir, j'ai foiré mon départ. Bon, après, j'étais pas dans le temps du tout des deux premiers, mais j'étais dans le temps des. Du troisième et du quatrième. Bon, un seul abandon. Allez, on se retrouve pour la prochaine course avec la Chevrolet Corvette. Nous voilà sur le circuit de Road America avec la Chevrolet Corvette. Bon, c'est pas une voiture que. Alors, c'est pas ma Corvette préférée, hein, on va dire. Elle est particulière à piloter. Pour ma part. Et ça va pas être une course bien formidable. Elle n'est pas du tout performante dans cette classe, en fait. Le système de pénalité. Voilà. Quoi, je prends pas de pénalité. Je comprends pas ce système de pénalité.
peut-être un peu de réglage, ça l'arrangerait un peu, mais je pense pas que... Ça, c'est une voiture qui va rester au garage, je pense, parce que... Certainement beaucoup de réglages à faire pour arriver à en tirer quelque chose. Voilà une suspension qui est beaucoup trop rigide. La voiture est une véritable savonnette. Ça ne va pas du tout. Laborieux, heureusement qu'il n'y avait que 4 tours parce que j'en fais pas 10. Très mauvaise course, une catastrophe, elle a perdu 6 places. Nous avons terminé P12. Bon, mais voilà, une voiture que je ne conseille pas. Allez, on se retrouve pour la prochaine course, prochaine et dernière course de la vidéo. Nous voilà sur le circuit de Suzuka avec la Nissan Skyline GTR. Une bonne qualification hein, pour voir les performances de la voiture. Ça va, je pouvais pas faire guère mieux. Donc on va voir sur le reste de la course parce que la voiture n'est pas performante sur le coup là par rapport à aux autres concurrents. Donc, pas eu de problème de déconnexion, donc c'est à noter. Thank you.
décidément, j'aurais vraiment fait des départs complètement merdiques. Je crois que c'est pas du tout adapté à la vue intérieure. J'ai juste la ligne droite en fait pour regagner du temps.
conduisez prudemment. Bon, voilà. Maintenant, je remonte vachement. Pourquoi je remonte vachement? J'ai rien compris. Mais je perds pas de place, mais bon, j'ai pris sacrément de... Tu sais, j'ai pas compris, là. Nous avons terminé P13. Donc, voilà, mais j'ai pris, par contre, masse de pénalité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, désolé, pas de cours sur Brands Hatch, mais j'essaierai de faire une vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut !